Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment jouer à l'Amstrad CPC 464 ou 6128 avec votre Shield TV et avec RetroArch. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent bien cet ordinateur qui était sorti dans les années 80, qui est un ordinateur 8 bits. Les deux versions les plus courantes ou les plus célèbres qu'on a pu avoir en France étaient effectivement l'Amstrad CPC 464 qui était un lecteur de cassette et après, il y avait son petit frère, enfin qui était sorti un petit peu après, je crois, l'Amstrad CPC 6128, qui lui avait un lecteur de disquette. Et ce sont deux machines qui se sont très bien vendues en France. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu étant enfant, mais j'avais des copains qui l'avaient. Et j'ai pas mal joué sur cette machine. Et donc, il faut savoir qu'on peut très facilement émuler l'Amstrad avec la Shield TV sur Android. Grâce à un core RetroArch que l'on va aller charger ensemble de suite. Donc pour jouer, c'est simple. Donc il vous suffit d'installer RetroArch évidemment. Ensuite, une fois que RetroArch est installé, vous allez aller dans Mise à jour en ligne, Mise à jour des cœurs et vous allez télécharger ce cœur-là, Amstrad CPC entre parenthèses Caprice 32. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le retélécharger. Et une fois qu'il est installé, pour lancer les jeux, c'est pas compliqué. Vous allez aller dans Charger un cœur, vous allez aller récupérer donc le cœur Amstrad CPC que vous avez téléchargé. Ensuite, on va aller chercher du contenu et on va aller chercher les ROM et je vais vous montrer quel format il faut qu'elles aient. Donc là, moi, elles sont sur un disque dur externe, donc qui est dans ma configuration Hyperspin. Donc après, vous pouvez très bien les mettre directement dans un dossier sur la mémoire interne de votre Shield ou sur une clé USB, hein, ça marchera bien aussi. Amstrad CPC, ROM, et voilà. Donc vous voyez, ce sont des jeux au format DSK, donc rien à voir avec l'homme politique évidemment. DSK comme disquette. Et je crois aussi que ça doit pouvoir lire les formats cassettes, mais bon, je vois pas trop l'intérêt en fait de les télécharger. Ça prend aussi le zip, je crois, mais ça, c'est à vérifier. Mais on va les regarder ensemble. Et comme je vois que j'ai des jeux en zip, c'est que ça doit les prendre. Donc voilà, donc les jeux, ben, vous les trouvez sur Internet, hein, sans trop de soucis. Donc il y avait des jeux vraiment. Donc le jeu, vous faites charger l'archive, puisque c'est un zip, et vous allez prendre le cœur actuel, Amstrad CPC Caprice 32. Et vous appuyez et le jeu devrait se lancer. Vous voyez, on retrouve le menu. Voilà, donc le menu de l'Amstrad. Donc l'Amstrad évidemment était un ordinateur, donc était équipé d'un clavier. Donc là, vous avez la possibilité de faire remonter un clavier virtuel. Pour ça, il suffit d'appuyer sur Start et Select en même temps, la flèche retour hein, sur la manette Shield par exemple. Et vous voyez, le clavier apparaît. Et ensuite, avec la manette, vous pouvez vous déplacer. Donc là, on me demandait si je voulais les vies infinies. Comme je suis un gros tricheur, je vais dire oui. Donc cliquez sur Y. Alors c'est la touche B, a priori, voilà, hop, je reviens, je sors le clavier en appuyant sur retour plus select, et le jeu se lance. Par contre, ah si, voilà, hop, on peut se déplacer, donc vous voyez, c'était pas terrible hein, les graphismes, mais bon, on est sur un vieil ordinateur. Là, lui, il a besoin que je lui ramène quelque chose, on dirait une sorte de vase. Donc en fait le principe du jeu, bon il y a eu pas mal de vidéos qui sont tournées, qui ont tourné sur YouTube. Alors je crois pas que ce soit le joueur du grenier, mais c'est Rétro, c'est Edouard, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle, un YouTuber qui fait des vieux jeux vidéo, qui avait fait une vidéo sur ce jeu-là. Donc le principe c'est d'aller chercher des items, comme vous voyez là il y a un cœur. Alors je crois qu'il faut appuyer sur B, voilà, et aller les apporter aux personnes qui vous le demandent et qui vous bloquent la route. Et vous avez un temps, mais là le temps je l'ai bloqué vu que j'ai mis vie infinie, vous voyez, donc il reste bloqué à l'énergie à 999 et voilà. Donc ça c'est le principe du jeu, donc vous voyez c'est très simple hein. Il suffit juste donc de télécharger le corps, hop, attendez, on va quitter, et de télécharger évidemment des jeux, et les jeux se lancent. Ce qu'il faut savoir donc, c'est pour faire apparaître le clavier, c'est appuyer sur retour et select en même temps, et start pardon, et le clavier apparaîtra. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, quand vous revenez sur le menu, d'aller dans les options. Alors j'ai pas trop été fouillé, je pense qu'on peut. Alors là vous voyez, on tourne sur du Amstrad 6128 en fait. Donc l'autorun il est par défaut sur enable, c'est ce qui permet de lancer le jeu automatiquement hein, plutôt que de devoir taper la ligne de commande hein, que vous voyez, qui est apparue au départ.
Et on doit pouvoir aussi, oui, mettre le langage de l'ordinateur, ok. Rien de bien compliqué. Et des configurations là pour les joysticks. Donc là, on voit qu'on est en mode joystick hein, sur les deux. Donc, hop, on va quitter maintenant RetroArch. Donc vous voyez, très simple, hein, format des jeux en point DSK. Il n'y a pas besoin de BIOS ni ce genre de choses. Il suffit juste de télécharger le core et vous pourrez lancer les jeux. Et on va juste lancer vite fait Hyperspin pour aller voir un petit peu les jeux que j'avais mis dessus, puisqu'il y avait eu beaucoup beaucoup de jeux hein, qui étaient sortis sur cet ordinateur. Donc hop, je crois que je l'ai passé. Voilà, l'Amstrad, voilà, il ressemblait à ça. Ça c'est le CPC 464, vous voyez, un lecteur de cassette. Donc il fallait attendre 20 minutes avant de jouer. Le temps que la cassette se charge. Donc, vous voyez un petit peu le type de jeu. Alors il y avait des jeux d'arcade hein, qui étaient sortis dessus. Beaucoup de jeux d'arcade. Puis après des jeux qui étaient vraiment faits pour cet ordinateur qui avait été développé, comme L'Aigle d'Or, qui est un jeu français, auquel j'avais beaucoup joué avec un copain, un jeu d'aventure. Voilà, après vous retrouvez des classiques comme Afterburner. Donc c'est sûr que par rapport à l'arcade, ça pique les yeux, évidemment. Mais bon, on était déjà bien content d'avoir ça et de pouvoir y jouer. Airwolf. Alors là, vous avez une super vidéo du joueur du grenier hein, sur ce jeu-là, sur la version Amstrad où il pète des boulards parce qu'il était vraiment très dur. Ricochet. Alien Syndrome, ça c'était le jeu d'arcade. Voilà, vous en avez quand même pas mal. Les aventures de Mokhtar. Barbarian, grand classique, j'avais fait une vidéo dessus, qui était un jeu, c'est pareil, un copain l'avait, on y a joué des heures et des heures. C'était un super jeu de combat, en versus. Donc à l'épée, on pouvait couper la tête, c'était vraiment pas mal. Si. Voilà, il y a eu pas mal de Batman aussi, ouais, je me souviens celui-là, j'ai un copain qui l'avait. Donc vous voyez, il y a pas mal de jeux, donc je pense que si certains d'entre vous ont eu cet ordinateur et souhaitent un petit peu revoir les jeux de l'époque, mais voilà, n'hésitez pas, il vous suffit pour ça d'aller télécharger donc, et d'installer RetroArch, vous chargez le corps et le cœur, et puis ensuite il vous suffit d'aller chercher des jeux. Je vous dis, on en trouve facilement sur Internet, IK+ aussi qui était carrément génial comme jeu. Donc, vous voyez, j'avais fait moi une petite wheel avec, je crois, entre 150 et 200 jeux, je me souviens plus trop. Voilà où j'ai voulu mettre les plus connus. Mais voilà, j'en ai certainement oublié. Et c'est quand même un ordinateur qui a marqué son époque. Et en plus, on va dire, entre guillemets, il n'était pas très cher pour l'époque, puisque je crois que l'ordinateur plus l'écran, c'était 5000 francs. Bon, c'était une grosse somme hein, dans les années 80. Mais il a quand même pu. Bien se vendre et un petit peu permettre au grand public d'accéder à la micro-informatique, tout simplement. Et surtout au jeu pour ce qui nous concerne. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment jouer à l'Amstrad CPC 6128 ou 464 avec votre Shield TV. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!